le monde est fait d'ombre et de lumière, et donc il faut redécouvrir en fait aussi la lumière du monde, la lumière qu'il y a en l'homme, la lumière qui est dans la créativité, l'innovation, enfin voilà, tout ça. J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde pour que ça inspire les autres, notamment auprès des journalistes qui n'ont pas forcément connaissance de ces sujets ou le temps d'aller les chercher. Et donc j'ai décidé de leur faire connaître ces initiatives pour qu'eux-mêmes, à leur tour, puissent utiliser la puissance de leurs médias pour les faire connaître. Il y a énormément de projets magnifiques dans le monde, mais qui sont éparpillés partout, notamment sur le web. Quand il y a une vidéo, quand il y a un article sur le web, personne n'est capable d'aller chercher ces sujets, les trouver facilement. Les rédacteurs en chef nous disaient « bon, mais nous, on a bien envie de parler de ces sujets, mais on ne sait pas où les trouver. On n'a pas le temps, on a les yeux rivés sur l'actu chaude, ces sujets ne font pas de bruit. » Le rédacteur en chef du Monde, qui nous disait, aussi curieux que ça puisse paraître, on a 350 journalistes, mais on ne sait pas forcément trouver ces sujets. Ils en trouvent certains, bien sûr. Ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas les réflexes, forcément. Et donc on s'est dit, bah, il faut leur fournir un outil pour les aider à sourcer ces projets et les inspirer, leur donner des idées, de mutualiser cette veille, ce sourcing, pour le proposer à tous les médias, gratuitement, pour qu'ensuite ils puissent faire leur travail d'enquêteurs, de journalistes et traiter ces sujets chacun à leur façon avec leur angle. D'où l'idée de la plateforme sparknews.com où on agrège en fait tous les reportages, des vidéos sur des initiatives positives et à partir desquelles les journalistes peuvent s'inspirer pour faire des sujets. En fait, j'ai appliqué la méthode de la conduite du changement d'entreprise en fait où on a analysé les freins. C'est-à-dire pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des solutions. Donc ils pensent que ça ne se vend pas, ils ne savent pas où trouver les sujets. Ceux qui sont a priori convaincus n'osent pas sortir du bois parce qu'ils sont un peu ringardisés sinon. Et puis c'est des sujets qui sont plus difficiles à traiter, donc ils coûtent plus cher. Et donc les leviers, ça a été démontrer que ça se vendait avec le Libé des solutions à l'époque. C'est avoir une base de données de sujets pour les inspirer puisqu'ils ne savaient pas où les trouver. C'est galvaniser les journalistes et donc les mettre en chef de file, leur remettre des prix, les valoriser et ensuite les faire se rencontrer entre eux pour qu'ensemble ils construisent effectivement un journalisme plus équilibré. Les médias n'ont pas forcément l'occasion, il faut souvent raccrocher ces sujets à l'actualité. Donc on s'est dit, bon, on va créer l'actualité, on va créer l'occasion, notamment à travers le projet qu'on a monté qui s'appelle Impact Journalism Day, où le même jour, on a proposé, donc en juin dernier, on a fait un projet pilote avec 22 journaux de 20 pays. Le Monde, La Stampa en Italie, le Times of India qui fait 6 millions d'exemplaires en Inde, Excelsior au Mexique, Folha de Sao Paulo qui est le plus gros au Brésil, au Kenya, en Belgique le soir, Singapour, le Straits Times. Et l'idée en fait c'était de leur dire voilà, on leur a lancé un défi, c'est-à-dire le même jour on va tous faire un supplément de 8 pages en moyenne. Et nous on a fourni une vingtaine d'articles, donc on a fait produire par des pigistes reconnus dans le monde entier, coordonnés par deux rédacteurs en chef que j'avais embauché, une ancienne New York Times, une ancienne de France 24. Donc on leur a fourni cette matière. L'avantage c'est qu'on peut se permettre de mettre plus de moyens dans un article quand on sait qu'il est repris par 20 journaux. Et ensuite chaque journal nous a fourni deux ou trois articles qu'on a fait traduire et qui donnaient en fait une base commune, et chaque rédacteur en chef a fait son supplément en piochant parmi ces 60 articles. Donc ça lui permettait en fait d'avoir du contenu gratuit, mais tout en gardant son indépendance éditoriale et en choisissant ce qu'il voulait mettre. C'était vraiment un travail collaboratif où finalement tout le monde est gagnant, les porteurs de projets parce que tout d'un coup ils ont une exposition mondiale, les journalistes, les médias puisqu'ils ont du contenu gratuit, nous on joue un rôle de coordinateur qui est valorisant et on remplit notre rôle, et on a des sponsors, des partenaires qui ont une visibilité sur tous ces journaux, donc vus par 50 millions de lecteurs au total. Et donc finalement, tout le monde peut s'y retrouver. Ça, c'est un des 22 journaux avec lequel on a fait l'Impact Journalism Day. Donc c'est Le Monde. Donc 8 pages de solutions innovantes pour changer le monde. Ça, c'est la version de Singapour, du plus gros journal de Singapour. Effectivement l'édito du rédacteur en chef, le nôtre, et puis la 12 pages de solutions innovantes. Ça c'est en Italie, La Stampa qui est le plus gros journal, un des plus gros journaux italiens, l'équivalent du Monde. Ça c'est Le Soir en Belgique,
Donc qui est le plus gros journal de Belgique. Ça c'est Excelsior au Mexique. Donc 12 pages aussi dans un des plus grands journaux du Mexique. L'Orient Le Jour au Liban. Voilà, avec une équipe formidable aussi. On a même les journaux pour enfants du groupe Playback qui ont fait 16 pages pour les enfants, que sur des solutions innovantes. Donc tout ça dans la même opération, où le même jour, 22 journaux de 20 pays se sont unis pour partager les solutions. On a plus de 1500 sujets aujourd'hui et ça ne fait que continuer puisque c'est en mode collaboratif. Donc dans le monde entier, les gens postent des vidéos qu'ils ont trouvées sur YouTube, CNN, TF1 ou ailleurs, ou Chamengo ou d'autres. Et donc ça nourrit comme ça la base de données de sujets. Moi quand je vois des gens qui me disent mais je suis resté sur votre site jusqu'à 3h du matin parce que j'ai découvert des choses incroyables que je ne connaissais pas, ça c'est notre plus grande satisfaction. Et on peut peut-être aller effectivement sur ce site comme on va visiter un musée d'une certaine façon, de découvrir tous ces chefs-d'œuvre qui existent dans le monde entier et encore une fois dont on ne connaît même pas 1% ou 2% de ce qui existe. Et un peu comme des archéologues, on peut aller chercher des choses qui sont enfouies ou qui sont cachées, ou comme des chercheurs de champignons, on soulève un peu les feuilles et là on découvre des foyers de projets, des foyers d'initiatives, des foyers d'entrepreneurs sociaux, des foyers d'innovateurs qui changent le monde. Ce qui était surtout passionnant et même émouvant en fait, c'était de voir tous ces suppléments sortir qu'on a initiés, qu'on a coordonnés, mais chacun l'a fait à sa façon, donc c'était passionnant de voir comment chaque pays s'est approprié le sujet et l'a traité. En Italie par exemple, c'est le pays du design, donc ils ont fait un supplément très design, très beau. Et surtout ce qui a été très fort, c'est qu'on a invité en fait, sur les 22 rédacteurs en chef, on en a invité 14, il y en a 13 qui sont venus, qui ont payé leur billet d'avion pour venir en France pour faire un séminaire de débriefing, dire voilà tout ce qui était positif, voilà ce qu'on peut améliorer, et puis de co-construction de la suite. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Donc on a décidé de faire une chronique mensuelle, au-delà du supplément Impact Journalism Day annuel. On va faire des déclinaisons aussi pour la santé, pour l'énergie, pour l'eau, pour l'éducation, pour les femmes. Et puis, surtout, on a décidé d'augmenter à 40 pays. Et donc, en fait, finalement, notre communauté de rédacteurs en chef nous aide aussi à essaimer dans le monde entier et à porter le projet encore plus loin. On a créé une petite famille, en fait, qui s'est très bien entendue. Ils collaborent même maintenant sur d'autres sujets ensemble. C'est une aventure qui commence et qui ne s'arrêtera pas. Ce qui me plaît, c'est de valoriser ce que font les autres. Les innovateurs sociaux sont passionnés par leurs projets, mais n'ont pas forcément le temps, les moyens, les réseaux pour les faire connaître. Et donc nous, on joue ce rôle-là, en fait, de repérer ces gens et on les remédiatise et dans une logique où finalement tout le monde est gagnant. Le porteur d'initiative, les médias qui ont des bons sujets, le grand public qui lit ces sujets et qui se remonte un peu le moral aussi en se disant mais tiens, il y a quand même des choses qui se font de positives, il n'y a pas que des catastrophes. Et puis pour nous, nos équipes, c'est une vraie satisfaction, quoi. Toutes ces histoires, elles m'ont touché et j'ai envie de les partager, j'ai envie de les faire connaître à d'autres, de donner envie à d'autres de vivre ce genre d'expérience, de s'engager. Ça peut être très simplement au quotidien ou même simplement en ayant une famille et en l'élevant le mieux possible. Ou certains qui s'engagent de façon beaucoup plus durable, beaucoup plus forte, à travers leur métier. Et voilà, c'est ça moi que j'ai envie de transmettre, c'est cette joie de l'engagement, cette joie de créer, cette joie d'innover, la joie de découvrir sur notre plateforme un projet magnifique. Tu dis mais c'est génial ce qu'ils ont inventé, c'est formidable. C'est ce pouvoir créateur des multiplicateurs des médias qui m'a touché. Et je me suis dit comment on peut l'amplifier, comment on peut aider les médias à aller encore plus loin. Le patron de La Presse, qui est le plus gros journal francophone au Canada, qui est plus gros même que Le Monde, nous a dit avec Spark News on se sent moins seul. Et ça a été vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis rendu compte que même un grand patron de presse, il a besoin de sentir que même si lui il y croit, il a aussi ses pairs qui y croient, il y a d'autres personnes qui y croient et du coup il peut y aller encore plus. Quand j'avais 14 ans, mon frère a monté la première banque de,
avec un de ses amis. Ils ont monté la première banque de microcrédit au Chili, justement parce qu'ils ont vu un article dans Le Monde qui parlait du microcrédit dans les années 80, à l'époque où c'était totalement inconnu. Et c'est cet article qui les a inspirés pour dupliquer l'initiative. Et de fil en aiguille, cette banque a permis la création directe ou indirecte à peu près de 100 000 emplois. Et finalement, c'est le journaliste qui a écrit l'article dans Le Monde qui a permis en fait de changer la vie de 100 000 personnes. Ensuite, il y a eu ce tour du monde de l'espérance, où l'idée c'était d'aller découvrir le monde à travers nos yeux et pas ceux de la caméra du JT de 20h, qui avait tendance un peu à me déprimer. Donc on est parti avec deux copains faire ce tour du monde. On a passé en tout peut-être 2 ans à chercher et à rencontrer ces projets. Et il y a énormément de projets à côté desquels on est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on a découvert que même pas 1% de tout ce qui existe. Et parfois, on est passé dans des villes où il y avait des projets formidables et dont on n'avait même pas entendu parler. Alors que c'était notre job, en fait. Et donc, je me suis dit, mais si nous, on est passé à côté de plein de choses, le monde entier, le grand public passe à côté de toutes ces choses-là, alors que les catastrophes, on les prend en pleine figure tous les jours dans les médias. Quand on est rentré, on a écrit un livre qu'un éditeur nous a commandé. Et le livre, en fait, on a fait une soirée de lancement et on a eu 3500 personnes. Et là, on s'est dit, waouh, il y a une attente en fait, du public qui veut qu'on leur parle de ce qui marche, des solutions, des initiatives positives. Le bouquin est sorti dans les meilleures ventes, ce qui n'était pas du tout prévu parce qu'on n'était pas des grands écrivains. Mais on s'est dit, pourquoi pas continuer, amplifier ce mouvement. Souvent, les gens nous disent, mais... c'est un problème de formation, c'est-à-dire qu'en fait, on picouse les jeunes journalistes dans les écoles de journalisme à la règle du mort au kilomètre. Hein. Un mort à 10 km des gens les intéresse plus que 1000 morts à l'autre bout du monde, par exemple. On leur dit tout le temps, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, etc. Sauf que nous, on s'intéresse aux trains qui arrivent en avance ou aux solutions qui vont permettre de faire en sorte que les trains ne soient plus jamais en retard. Et on a eu effectivement pas mal de patrons d'écoles de journalisme, des grandes écoles de journalisme, qui ont dit « mais nous, ça nous intéresse que vous fassiez des modules de formation sur ces sujets-là ». Et on a la chance d'avoir plein de rédacteurs en chef, de journalistes qui sont prêts à témoigner, à raconter comment on peut traiter un sujet sous l'angle du problème ou sous l'angle du problème et des solutions, avec des exemples concrets. Et donc, effectivement, on cherche un mécène ou un partenaire qui puisse financer en fait cette formation, alors qu'il serait pris en charge en partie par les écoles de journalisme. Et ça, c'est des choses effectivement qu'on veut développer. L'avantage, c'est que comme on est présent bientôt dans 40 pays, on peut travailler avec les écoles de journalisme de tous ces pays et montrer que c'est un mouvement mondial. Avec les télés, en fait, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que on est en train de convaincre une vingtaine de télés dans le monde, les plus grandes télés de leur pays, où chacune va faire un beau reportage, mais elle va mettre plus de moyens que d'habitude, elle peut mettre 2-3 fois plus de moyens, puisque son reportage va être repris par toutes les télés, donc ça vaut le coup. Et en plus, elle récupère, elle produit un journal, un reportage, et elle en récupère 20 gratuits. Ensuite, ces reportages sont diffusés par toutes les télés, repris par les journaux, les sites internet des journaux, donc diffusés des dizaines de millions de spectateurs. Dans cet univers, on rencontre le meilleur comme le pire. Et donc, il y a eu des gens formidables qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. D'autres qui étaient plus intéressés et qui, du coup, ont été les grains de sable dans l'écosystème. Et ça a été très compliqué à gérer. Et voilà, malheureusement, l'homme n'est pas toujours dénué d'intérêt. Et il faut savoir voilà, avec qui on travaille et si c'est des gens qui en fait cherchent d'abord l'intérêt commun ou finalement l'intérêt commun mais aussi leur intérêt personnel et le jour où il y a des choix à faire, il faut que ce soit des gens qui choisissent l'intérêt commun d'abord.